Manifestants ont sorti devant centrale électrique Saint-Philomène, passé dans quartier populaire dans Banane, rentré dans plusieurs marchés publics pour aller aboutir dans centre-ville cap-haïtien. Sous tout parcours, ils ont réclamé courant électrique dans deuxième ville paysan qui n'a fait noir depuis plus passé 2 mois. Même le cap-haïtien qui a souffert courant depuis après carnaval, je dis à nous pas un courant. Et puis là, on a des courants qui sont un bagage qui est supposé important en RTA, qui va dans nous. Courant veut dire développement, courant veut dire sécurité, courant veut dire petite fille nous a violé dans la rue. Et bien, ça m'a fait presque dans la rue. Courant veut dire la vie chère tout. Parce que malheureux, je dis, ça courant qui nous fait la vie petite. Je dis, il n'y a pas un courant pour 4 mois, mais nous, nous sommes ici. Dans le département, nous disons nous bouquet. Et bien, ça m'a fait présence nous comme citoyens dans la rue. Courant, depuis 6 heures, c'est démagogie qui a fait dans la ville. Pas de courant. Plusieurs manifestants qualifié dirigeants de voleurs pour être quitté pays sous pilotage automatique. Activiste politique Pascal Adrien qui a lancé marche Silla dit le regret dirigeant pas dit rien dans dossier courant. Nous avons fait une démonstration de force. Dans ce sens que j'en ai annoncé, le 10 mai 2022, c'est un pile en pile monde qui prend la rue pour revendiquer le droit. Pour continuer à exiger courant. Nous avons commencé à battre le 14 février. Nous avons fait un sitting. Aujourd'hui, nous avons un match pacifique. L'autre semaine, nous avons annoncé une grande manifestation pour que tout le monde nous continue à montrer. Il y a des gens dans le pays toujours. La guerre d'Aguizon. Libérer d'Aguizon. La continue bataille là jusqu'à ce que nous venions faire chercher qui c'est courant. Et nous dit, nous parlons pour nous payer courant. Nous seulement exigeons que nous payons courant. Bataille là fait commencer. Depuis 1er mars passé, Ville au Cap tombé dans un blackout total. Responsable EDHO, pas bay aucune explication sur raison qui cause pas de courant dans la deuxième ville pays. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.